Ok, attends, oui c'est bon. Oh, j'ai assez de mémoire là, on est cool, on est bien. Bref, sinon... Ah merde, j'ai oublié le numéro de l'épisode. Comme d'hab, ça commence bien. Je crois que c'est le 14, non? Je crois. Bref, c'est pas grave. Donc salut à tous et à toutes, c'est moi le Pierre 511 et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 14 normalement, si je me trompe pas, de Epic Mickey. Et donc, dans l'ancien épisode, qu'est-ce qui s'était passé? Bah dans l'ancien épisode, on avait fini le manoir, on avait combattu le savant fou. Et après l'avoir combattu, on a appris qu'en fait c'était un chromocroc et que, bah bref, voilà, ça tout le monde le sait. Parce que tout le monde connaît l'histoire. Et donc après on était revenu au marais, on avait fait plein de quêtes secondaires pour récupérer les étincelles d'énergie. Et d'ailleurs, il m'en reste encore des quêtes secondaires. L'un d'entre vous, donc, qui est présent depuis le début du display, voilà, merci. Que je ne me souviens plus de ton nom, désolé. Enfin, ton pseudo, parce que je ne connais pas ton nom. Je suis très ennuyé. Ton pseudo, donc je suis désolé. Mais... Hop, voilà. Mais ne vous inquiétez pas, je vois très bien qui vous êtes. Donc, il m'a dit que j'avais encore des trucs à faire. Donc, il y a... terminé la quête de Horace, déjà. Je dois continuer à parler au mec du cinéma, parce que, en fait, j'ai pas donné toutes les bobines. Donc, il y a encore des choses à me donner. Et aussi... je sais qui est Grognard maintenant, c'est bon, j'ai trouvé. Si vous vous souvenez bien, Donald m'avait donné l'engrenage et il m'a dit « Ouais, donne cet engrenage à Grognard pour qu'il récupère mon bateau. » Sauf que Grognard, moi j'étais en train de dire « Mais merde, c'est qui Grognard déjà ?» Et en fait, c'est le pirate qui est à Osville. Donc voilà. Non, je sais où il est. Devine un peu, on m'a encore dérobé quelque chose. Une bougie, elle est partie de la cabane de Louis pour rejoindre le marais. Je sais que tu peux la retrouver, j'aimerais le faire moi-même, mais j'ai peur des fantômes qui s'y trouvent. Fouille les alentours pour trouver des indices. D'accord, donc ça, ouais. Ça, je le savais qu'il y avait encore une énigme, sauf que, mec, j'aimerais déjà te prendre la machette, enfin la hachette. Tu as trouvé la hachette, excellente nouvelle, grâce à cette pièce à conviction, je pourrai la culpabilité de Constance. Quel soulagement pour Grognard et pour tous les habitants du parc, bah tiens. Et c'est grâce à toi. Les affaires devraient reprendre rapidement, et Pat va peut-être arrêter de se moquer de moi. Toi aussi, tu auras ta part des bénéfices, merci Mickey. Une étincelle d'énergie. Donc, normal. Proche affaire classée. Je pense que si je lui reparle, il va me rien dire. Normalement, le son c'est bon, hein. Je l'ai mis à 20. Attendez, on va vérifier ça tout de suite. Oh non, ça fait pas assez de bruit. Bref, alors normalement, à ce qui paraît, toi, je dois continuer à te causer. Et où trouves-tu toutes ces bobines? Je veux augmenter la contenance de ton portefeuille pour que tu puisses transporter davantage de tickets. Ah bah, c'est cool. Est-ce que tu as autre chose à me donner? Oui! J'ai une branche d'argent pour toi, continue comme ça, déniche toutes les bobines. En effet, heureusement que vous m'avez dit ça, enfin heureusement que tu m'as dit ça. Tu as assez de bobines pour une nouvelle récompense, une fois de plus, ceci est spécial. J'ai maintenant un autre dessin animé authentique dans mon cinéma, regarde-le quand tu veux dans le menu bonus. Tu as obtenu une nouvelle bobine The Mad Doctor. Eh hey, mais attends, je crois que je l'ai jamais vu celui-là! The Mad Doctor? Docteur, je crois que je l'ai jamais vu. Ça pourrait être intéressant que je le regarde après. Oui, sans vous, parce que je pense que si je diffuse un vieux dessin animé Disney, je pense qu'ils vont me faire une... Ah, quoique, mes vidéos sont pas monétisées, donc limite, je pourrais, en fait. Ah, c'est vrai. Peut-être, tiens, ça serait drôle de le faire. Allez, tiens, dites-le moi en commentaire si vous voulez qu'on regarde les vieux dessins animés, il n'y en a que deux. Comme ça, tous ensemble. Vu que mes vidéos sont pas monétisées, j'ai le droit, en fait. Enfin, j'ai le droit. J'ai pas le droit, théoriquement, mais vu que je gagne pas d'argent... Ils me disent juste un avertissement, je parle, mais ils me disent juste un avertissement, mais sans plus, c'est tout. Voilà, vous le savez maintenant, je ne gagne pas d'argent sur YouTube. Je fais juste ça pour le plaisir, puis en plus, ça va, pas besoin de thunes. Bref, tu as assez de bobines pour une nouvelle récompense. Grâce à ceci, tu pourras transporter plus de croquis de télé. Super, ça j'en ai rien à secouer, mais je lui parle pas assez à ce mec. Ah oui, putain, la vache! Sa bobine te rendra ma broche la plus précieuse, elle est en or. Ah, en effet, il a beaucoup de choses à me donner. Putain! des bobines partout, pour celle-là, tu pourras transporter davantage de croquis de montre. Oh putain. Quel défilé de bobines, tu peux désormais transporter plus de croquis d'enculme. Bon, je pense que là, c'était quand même le dernier truc, là. Même pas, putain. Tu as assez de bobines pour une nouvelle récompense, il s'agit d'un vrai prix, tu peux désormais subir davantage de dégâts. Ah, ça, c'est cool. Ah ouais, putain, j'ai basse vie, là. Oh putain. Tu n'as pas assez de bobines pour mettre une récompense, bien quand tu en auras davantage. Ok, c'est bon. Bon, alors, là je dois aller voir Grognard à Osville et récupérer la bougie.
Alors la bougie, je sais où elle est. Alors, par contre, vous voyez, mon objectif me dit que c'est ici. Donc, je vais d'abord aller récupérer la bougie. Et comme d'hab, pour vous éviter le re-retrajet de la bobine, transition très discrète. Ok. Alors. C'est des bruits de partout. Alors. Come on. Nous y allons. Donc, en cherchant aussi pour les quêtes annexes et tout, parce que j'avais cherché des trucs pour le grognard en fait, j'ai remarqué qu'en fait j'avais fait limite toutes les quêtes annexes du marais, hein, limite. Sauf celle-là, bien sûr, la quête, enfin l'enquête, vous savez qu'on va faire. D'ailleurs, je remarque que les ponts restent en place, tiens, c'est marrant. D'ailleurs, j'ai. Oh putain, j'ai pas trouvé d'explication pour cette espèce de coupure quand j'avais réparé l'horloge. Allez savoir. Attendez, voilà, ici ça mettra peut-être un peu moins buggé. Parce que bon, pas tout compris de ce toujours. Même aucun d'entre vous ne m'a donné une explication, je pensais que ça allait arriver, mais bon, peut-être que vous aussi vous ne savez pas. Hein. Ok, il y a des traces de pas. Excuse-moi. Putain, je les vois pas les traces de pas. D'habitude, je les vois bien, là, je les vois pas. Et wesh. Ah, si, c'est bon, là. Ok, normalement, s'il y a un pot de peinture qui... Putain, mais c'est quoi ce toon qui fait des pas énormes? Je peux vous mentir, je tartine un peu l'écran, hein. Ah, là. Alors en fait, je tartine, mais... C'est dingue, mais j'arrive vraiment pas à les voir, les traces de pas. Hein. D'ailleurs, je remarque qu'il n'y a toujours pas de musique. La musique a disparu. Ah, là. Et c'est la première fois que je suis obligé de tartiner l'écran comme ça pour les voir. C'est bon, là il y a des traces. De toute façon, c'est sûr que. Ah, toujours en train de toquer à la porte. Mais Tari a dit que je devais te remercier alors. Merci Mickey. Okay. Ok, où est-ce qu'elles vont ces traces? Ce toon fait des pas énormes! Toi, à vous. Sans l'éponge, j'étais coincé sur le plat. Ok, non, tais-toi, c'est pas toi. C'est la meuf qui toque à la porte depuis des heures. Bon, écoutez, où est-ce qu'elles sont ces conneries de traces de pas? Non, mais attendez, je suis pas fou. C'est toi, Donald. Non, normalement, c'est censé être quelqu'un d'immobile. Attends, je vais te causer direct. Je sens qu'on vient de mourir, mais je crois que. Mais je vends des bougies. Tu n'as pas besoin de bougies, elles coûtent 50 tickets, c'est une affaire. Oula, donc si, c'est bien elle en fait. Et pourquoi je. Regarde. Regardez. Putain, tu te fous de ma gueule. Regarde, ça se voit totalement que c'est elle en fait. Bon allez, à vous, c'est toi là, balance. Ah, oh, j'essaie de lui vendre une bougie, mais il en avait déjà plein. Peut-être que l'une des siennes s'est retrouvée mélangée aux miennes. Tiens. Tiens. Tu me donnes la bougie? Je pense rester ici jusqu'à ce que cette personne ouvre la porte. Putain, mais t'es sérieux, ça. Donc, c'est bon, j'ai la bougie. Je vais voir ça tout de suite. Non, tu es devenu le plus grand détective du monde de la désolation. Arrête! Tu as récupéré le quatrième objet volé. Ah bon? Ah bon? Ah bon?
vraiment récupéré. Ça me paraît très étrange en fait, je vais pas vous mentir. Très bizarre en fait, j'ai pas l'impression. C'est très étrange. Ce qu'ils me disent, tu as récupéré, mais je l'ai pas moi. Enfin, je sais pas, on est d'accord, c'est. Je suis pas fou, hein. Parce qu'on est totalement d'accord, c'est sur elle, mais je. Eh, c'est très bizarre. Faut que je la harcèle? Non, parce qu'en fait, alors, pour ceux qui se demandent, si. Je sais pas, je trouve ça bizarre en fait. Tu as récupéré le quatrième objet volé. Alors pourquoi quand je clique dessus, il y a un zéro? Tu as récupéré le quatrième objet volé. C'est dommage que cette case soit morte. Bon. Ok. Tu. Bah, en fait, c'est vrai qu'à un moment, elle m'a dit tiens. Genre, bon, ok, tiens. D'accord, mais je trouve ça quand même bizarre. Je vous jure, si je vais devant Horace qui me dit qui me dit quelque chose d'inutile. C'est qu'il y a, c'est qu'il s'est vraiment rien passé. Surtout que là, faudrait continuer à avancer dans l'histoire, parce que bon, les quêtes annexes, ça va bien 5 minutes. Surtout que, théoriquement, les étincelles, j'ai même découvert le secret, grâce à vous, des 36 étincelles d'énergie. Donc, je devrais arrêter, ça fait déjà... Ça va bientôt faire 13 minutes. Super. Ok. J'aime bien dire ok à chaque fois que je sors des projecteurs. Je crois que c'est ok, c'est limite un taux de départ pour dire ok, c'est bon, je peux reparler. Je parlerai plus dans le film. Ça a intérêt à marcher. Sinon, je vous tue tous. Non, parle-lui. Bah, si, je l'avais. Mais what? Pourquoi c'était marqué 0 alors? Enfin, encore un bug peut-être. Tu as retrouvé la bougie. Heureusement qu'il me reste une étincelle d'énergie à te donner. C'est trop sympa. Merci beaucoup, Mickey. Mickey, le détective 4. Bientôt dans votre cinéma. Est-ce que t'as encore quelque chose? J'espère que les affaires vont bientôt reprendre. Je ne pense pas. C'est bon. Moi, j'ai bien fait mettre ma loupe. Ok, bon, on va aller voir Grenier Oswald. De toute façon, c'est là où il faut aller parce que c'est là ce que, c'est ce que les gardiens nous montrent. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 points de vie. Maintenant, combien on peut en avoir de points de vie? Je pense une dizaine, je pense pas. Je pense une dizaine, je pense, ouais. Tu as quelque chose à me dire, même si théoriquement tu m'as déjà parlé? Tu en as peut-être bavé sur la montagne des déchets, mais franchement, tu n'as encore rien vu. Ouf, j'ai vu pire dans d'autres jeux. Bref. Ouais, parce qu'il faut y aller. J'espère que je pourrai parler à Grognard, au moins. Grognard. Ah oui, c'est vrai, j'avais repeint sa maison. Putain, j'avais complètement oublié son existence. Salut Dingo, je te parle juste comme ça. Encore merci pour ton aide, je commençais à m'ennuyer sur ce socle. Oh, ok, d'accord. Même si j'ai un peu douillé la quête, mais... Grognard. lequel est lequel? Pourquoi ils sont deux? Oh, du premier coup. Ah, tu as un grenade de la pompe. Je vais la réparer tout de suite. Ah oui, c'est vrai. Mais oui. C'est vrai, il y avait le bateau. Putain, j'avais complètement tout oublié ce qu'il y avait de sur Roseville. C'est un truc de dingue. C'est vrai. Mais t'es qui, toi, en fait? Rigigreen. Salut, Mickey. Encore merci pour ton aide à Tortuga. J'en t'en serai toujours reconnaissant. Tout le monde croit qu'on est jumeaux, Grenier et moi, mais on est juste cousins. Son père et le mien ont servi sur le même bateau de pirates. Et eux, ils étaient bien jumeaux, tu vois. D'accord, eh, franchement, ils ressemblaient comme deux gouttes d'eau. J'ai pris le premier qui venait, puis hop, le bon. C'est vrai, j'avais complètement oublié qu'il y avait le bateau de Donald qui s'était échoué ici. Hop, un petit billet. 678, et on va jusqu'à.
Donc, niveau quête annexe, récupère toutes les bobines, retourne chez toi. Bon, ça, c'est la quête qui est depuis. Ratée. J'en ai une de ratée. Est-ce qu'elle est tout en bas? Par contre, c'est très chiant de ne pas pouvoir. Est-ce que c'est marqué raté? Ah, c'est peut-être. Oui, je sais laquelle c'est raté. C'est. Le. Voilà. Effrayer quelqu'un, c'est ça. Bon, sinon. Merde. Sinon, niveau quête, ouais, y a que ça. Bon, ça, c'est mort. Ça, on y va. Et ça, bah. Faut le faire. Bref! Come on, on y va, on continue l'histoire maintenant, ça suffit. Prêt à partir pour la montagne des déchets, oui! Ce dessin animé, je l'ai déjà, là, cette fois, je vous coupe pas, hein, parce que bon. En effet, je l'ai déjà, c'est même là où on tape. Une espèce de bulldozer qui arrive et qui défonce tout sur son passage, voilà. Dieu, c'est des fous! Ouais, allez, go, on y va. Alors, normalement, on arrive déjà en. Oh, oui, voilà. Première fois qu'on voit cette image. Je t'attendais, Mickey. Et il a un chat sur les genoux, t'as entendu, car c'est mon gros cliché. Tout le monde a l'air de m'apprécier, regarde! Tout le monde m'aime! Coucou! Je parle à toi, juste mais à toi. Je crois que j'étais déjà vu, mais où? Ok, d'accord, j'ai rien dit. Ils me connaissent, ils ont complètement oublié. Alors toi, par contre, il était déjà là, ce croquis? Pose d'Oswald. Ouh, attention, Oswald, prenez Oswald. Ça me fait rire quand même, parce qu'on est dans la salle de trône de Donna, n'importe quoi, de Oswald, mais il y a que des poupées de Mickey, donc est-ce qu'il le déteste complètement? Je me demande. Alors, par contre, qu'est-ce que c'est que cette porte ouverte? Ah, ok. Je suis content de voir que tu t'es pas encore dégonflé. C'est une blague, j'espère. C'est moi qui dois. Donc. Putain, je vais me le faire, ce mec. Allez, les gars, on grimpe tous ensemble. Ah, ton nouveau meilleur ami et toi ne pouvez pas emprunter les mêmes chemins que moi. Je fonce droit vers le sommet, malheureusement. Vous devez grimper dur, dur. Entre dans l'écran de projection, je te suis. Sérieux, mec. Trône d'Oswald. Alors, il y a une quête qui est le seul. C'est moi le roi! Oh! Ah, il y a même une télé spéciale pour regarder des dessins animés, c'est cool ce truc. Il est vraiment cool. Il se rend compte de ma gueule quand j'ai le dos tourné. Sadique. Salaud! Non, ça peut pas se. On aurait dit. Que je me suis fait avoir une fois avec le film de Colonel Pat, hein, donc voilà. Ah, je m'en souviendrai de ça. Prêt à grimper au sommet, oui, très cher, on y va. Ça fait déjà 20 minutes, le temps passe vite, c'est un truc de dingue. Ah, donc ça, par contre, ça, on n'a jamais vu, donc là, faut pas rater là. Boum, boum, boum. Ça, c'est un. Ça, c'est une bourgue. C'est une bourgue. Une bourde. Une bourde. Une gourde. Une. Ah, il y a une expression, bref, une merde. Mais ça, je crois que c'est un dessin animé de Oswald. J'allais dire Donald encore, c'est un truc de dingue. Hein. Mais ça, je crois que c'est un dessin animé de Oswald. Je crois même que c'est le premier dessin animé que l'on développe dans les options. Bonus. J'allais venir. Qui est ce gros porc? Ah, sadique. Petit fourbe. Ah, mais nickel! Pic, pic, pic. Pic, oui, c'est trop l'endouille. Voilà, ça fait très longtemps que vous n'avez pas entendu ça. Ça rappelle des souvenirs. Ok. Je pense qu'il y a la bobine là-dedans. Wesh, comment on passe?
Non, je suis obligé de passer par là. Faux. Ah non, je suis con, attendez. Je suis débile. C'est juste là. J'avais pas vu, excusez-moi, c'est moi qui suis con. Allez, rends-toi. Voilà. Demi-tour. Voilà. Hey, hold on days. Ouais, je crois que c'est ça. Prêt à affronter l'ombre du fantôme, je suis né pour ce combat. Je n'attendais que ce moment. Cette image est stylée. Il y a des jolis designs, hein, franchement, les mecs. Franchement, les gars qui ont développé ces dessins et tout sont très jolis. Va falloir grimper dur dur. Oh putain, ça c'est cool, c'est ce que je pensais. C'est Ozad, il a besoin de nous. Il faut surtout pas que le fantôme s'enfuit. C'est l'ombre du fantôme. Elle est gigantesque, non pas du tout. S'il trouve que l'ombre du fantôme est gigantesque, ça se voit qu'il a jamais vu le vrai fantôme. Ok, c'est parti. Ce combat, j'adore ce combat. Très simpliste dans son gameplay, mais très cool quand même. Enfin, Ozad bouge son cul, je t'ai quand même à dire. Oula merde, comment est-ce que ça va là? Alors par contre, comment est-ce que ça marche déjà? Ça faut que je m'en souvienne par contre. C'est ça, remonte à très longtemps. Je me souviens plus. Ah ok, là il fait quelque chose. Non ok, donc il faut vraiment attendre qu'il fasse ça. Okay. Je me souvenais plus s'il fallait faire quelque chose de particulier ou pas. Ok, normalement j'ai l'air de se casser les gueules. Ok, donc faut attendre. Par contre, comment on esquive déjà quand on se fonce dessus? Je vous pourrais. Attendez, 30 secondes. Attention, mini coupure pour vous. Ok, c'est bon. Je vais monter un peu le son parce que je trouve très très bas en fait. Ah, voilà, c'est un peu mieux. Désolé de couper en plein milieu, mais. Ouais, faut juste courir, quoi. Parce que ça il va pas me servir à grand chose là. Grota. Grota mort, lol. Donc est-ce qu'ils peuvent me servir à quelque chose? On va regarder. On va voir. Toi tu viens. Parce que j'ai plus l'impression en fait il va juste servir de. À se faire toucher quoi. Pendant ce temps, Ozad combat. Enfin, je ne sais plus comment ça s'appelle. Doucement mec. Un petit combat de boss, ça faisait longtemps. Putain, je regardais plus où j'allais, je regardais la caméra. Pour voir si tout était bien filmé. Parce que là. Ouais tu vois. Enfin, il se jette sur lui pour se suicider. Je le repeins un peu. Oh putain, j'ai oublié ça. Bon, vas-y, tu le si tu veux. Faites-vous la guerre. Moi j'ai mon propre ennemi. Hein. Faire gaffe quand même, parce que j'ai pas l'impression qu'il y a des points de vie à gogo. Hein. Je vise complètement à côté, mais ça le touche quand même, donc c'est bien.
qui fait des kamehameha. Ou des... comment ça s'appelle? Des Hadouken. Voilà, ça c'est un Dans Street Fighter, comment ça s'appelle déjà? Oh, je t'ai vu toi. Flaque de petites taches. J'ai complètement oublié qu'il y avait un cookie ici, tiens. J'avais oublié qu'il faisait ça aussi, tu vois. Qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est déjà fini? Ah, c'est déjà fini. C'est du court. J'adore cette scène. C'est bon. Hein? En fait, il est plutôt gentil. Ouais, c'est parce que je l'ai aspiré de peinture. Mais c'est adorable, cette famille. Nouvel objet découvert, mon ombre et moi. Voilà. Cinématique. Ce mec est complètement débile.
c'est vraiment dommage qu'il n'y ait pas de dialogue. Enfin, si, il y a du dialogue, mais c'est vraiment dommage qu'il n'y ait pas du jeu d'acteur comme dans le 2, quoi. Franchement, ça aurait beaucoup plus d'impact. Franchement, vous n'allez pas me dire que cette scène n'est pas impressionnante, quoi. Enfin, c'est. Le fantôme, quand tu le vois, tu fais pas le malin devant, quoi. C'est. Ouh. Roswell est envahi par les fantacules. Il y en a partout. Enfin, bref. Mais juste, parenthèse avant de continuer. C'est vrai que c'est dommage quand même que ce jeu n'y ait pas de dialogue, enfin de doubleur, pardon, je me trompe à chaque fois. Parce que franchement, avec des vrais doubleurs comme ça, au lieu des oh, voilà, ça aurait été beaucoup plus impactant. Cette cinématique a de la gueule quand même, tu. Je sais pas. C'est pour ça que je préfère le premier Pikmin. Il y a des vrais enjeux, tu vois, des vrais méchants bien classe et tout. Enfin, c'est mieux que le 2, je suis désolé, hein. Moi c'est mon avis. Bref. Et je crois que si je fous de la peinture, ça marche pas. Ah, si ça marche. Bon, vous l'avez compris, maintenant c'est la merde. Donc le vrai fantôme s'est libéré. Et donc, il faut détruire les fantacules avant qu'il aspire toute la peinture. Vous avez compris l'objectif, hein, de toute façon vous avez déjà fait le jeu. Par contre, je crois pas qu'on. Je ne pense pas qu'on va faire tout quand même, parce que ça fait déjà 33 minutes. Par contre, ça me fait rire parce que là, on va aller que dans les zones principales, on va dire. Mais putain! Mais. Oh! Le pointeur! Et pas dans les zones secondaires et tout. Ça me fait rire. Il y a de la thune. Attends, ok, tac. Ça va être vite comme ça. Ok, tu trouves ma gueule. Allo? Vous êtes sérieux là? Là! Mais what? On se met ma gueule ou quoi? Ouais, ok. Ok, d'accord, ça pousse dans un certain ordre. Je crois qu'on a réussi à chasser une fantacule de ce vide. Ouais, enfin, t'estimes pas heureux, hein. Vous étiez où tous là? Oula, c'est quoi cette. Tu as quand même Michael, je devrais peut-être équiper mes mains de jet de peinture et de dissolvant. Ouais, ça serait stylé! J'approuve! Tiens, voilà, c'est complètement apocalyptique. Ça me fait doucement rire quand même, parce que Michael, il a provoqué le premier chambardement, mais là, tu sais, Oswald, théoriquement, on peut dire que tu as provoqué le deuxième. Hein. Enfin, je dis ça, je dis rien, hein. Un peu, hein, on redonne un peu de couleur. Voilà, un petit peu de couleur. Bon, peut-être pas partout parce qu'on n'a pas que ça à foutre, mais. Un peu quand même. Voilà, voilà, vous êtes content, un peu de peinture, voilà, vous avez qu'à tout repeindre vous-même après. Je vais pas tout faire. Hein. Voilà. On a un peu plus de gueule. Ce qui est bien, ouais, ce qui est cool avec cette phase, c'est que au moins tu vois exactement tout ce qui peut être dépeint en fait, tout ce qui peut être enlevé. C'est assez sympa je trouve. De pouvoir voir tout ce qui peut être enlevé et tout. Quoi, qu'est-ce que tu veux? Voilà un petit quelque chose pour toi, tu l'as bien mérité. Dépêchons-nous d'aller voir si tout va bien à Mill Street. Ah, encore un point de vie. Et j'en ai 9, ouais. 9 points de vie, c'est beaucoup. Bon, alors cette fois-ci, je pense pas que je vais couper les écrans de projection. Parce que, bon, déjà, celui-là, il est pas très long, mais bon. Ah là là. Saute, putain, comme ça va m'aider. Sinon, je sens que je vais m'énerver. Chaque fois, ça rentre dans le rythme, c'est génial. Bon, de toute façon, cet épisode durera pas une heure comme le dernier, parce que franchement, le dernier, je vous ai fait un joli cadeau d'un gros épisode d'une heure. Parce que vous êtes beaucoup à chaque fois à attendre Epic Mickey et vous attendez la suite, même si vous connaissez le jeu par cœur, mais bon, c'est cool. Ça prouve que c'est pour moi que vous êtes là, pour ma présence. Quoi ?
Les genoux qui gonflent? Et la tête aussi? Non, pas du tout. De quoi tu parles. Bref. Bon, il y a des fantacules, on le sait tous, hein. Ah, encore une cinématique. Oh non, le fantôme a déjà envahi Main Street, vite, il faut y aller. Oh putain, en plus, il n'y a pas que des petites créatures là. Mais ça me fait rire quand même, parce qu'il faut détruire les fantacules, mais même si on les détruit, il peut tout... Voilà la caméra. Il peut toujours les régénérer. Il peut toujours régénérer les fantacules. C'est... Franchement, j'adore la fin de ce jeu, parce que déjà que le monde de la désolation, ça faisait un peu bah, désolant, un peu détruit et tout, mais il y avait quand même de la joie de vivre avec les toons, la peinture... Et tout, c'était génial, mais je trouve que quand on arrive à ce moment-là, ça fait plus désolant, ça fait apocalyptique, quoi. C'est, regarde, le château Disney avec tourbillon de peinture, enfin, j'adore la fin de ce jeu, quoi. C'est... Il y a juste un truc qui me déçoit à la fin de ce jeu, je le dirai quand on sera, il y a juste un truc, c'est un peu dommage, quand même. Mais sinon, la fin est tellement bien, quoi. C'est tellement apocalyptique. Il faut pas grand chose, hein. Merci. Il y a un fantacule. Deux secondes, mec. Ah non, là. Putain, mais la caméra! Ok, ça va, je l'ai touché. Il n'y avait qu'une seule. C'était le dernier. Ah cool, il n'y avait même pas besoin de combattre. On devrait aller voir si les autres régions ont souffert de l'attaque. La question ne se pose même pas. Oui, ils ont souffert de l'attaque. Mec, les fantacules sont partout. Bon, bah c'est cool, il n'y avait même pas besoin de combattre. Réparation de Midstreet. C'est... Ah tiens, il y a un billet d'argent là-haut. En plus, ce qui est cool, c'est que quand il enlève toute la peinture, tu vois tous les petits trucs. Dont ça, d'ailleurs, maintenant que j'y pense. Non, ah non, ça sert à dire. D'ailleurs, j'avais vu une vidéo qui parlait de Disney. Et en fait, je crois savoir pourquoi la maison de Walt est au-dessus de la caserne de pompiers. Je crois qu'il y avait un truc, genre que... Il y a un truc avec Walt et la caserne de pompiers. Je crois me souvenir que c'est dans le tout premier parc Walt Disney. Walt Disney avait une espèce de maison privée dans son propre parc et c'était au-dessus de la caserne de pompiers parce qu'il y avait une caserne de pompiers. Je crois que c'est ça en fait le clin d'œil. Mais quand j'ai vu ça, j'ai fait « Ah tiens, comme dans le jeu de Pic-Mickey !» J'ai fait « Ah, donc c'est pour ça que les développeurs ont mis la maison là en fait. » Donc ouais, c'est pour ça que la maison de Walt est là.
Il y a un clin d'œil. Il y a un petit clin d'œil. Par contre, je ne sais pas ce qu'a le capteur, mais pète des câbles. Bref, alors le problème, c'est que ça va faire 40 minutes. Et je vais m'arrêter maintenant. Alors, oui, je sais ce que vous allez dire. Ouais, mais il s'est pas passé grand-chose. T'as surtout fini les 4 secondaires. T'as juste combattu l'ombre du fantôme et on a vu les cinématiques et tout, ouais. Ouais, mais... C'est normal. En fait, là, pour le prochain épisode, on va faire les fantacules et normalement, on va arriver à... au château, très clairement, on va dire. De toute façon, je peux le dire, tout le monde connaît le jeu. Une fois qu'on a détruit les fantacules, on arrive au château et on arrive au dernier niveau. Donc, je dois vous avouer, j'aimerais en fait arrêter le prochain épisode à ce moment-là, c'est-à-dire quand on arrive dans le château, voire même un tout petit peu plus loin dans le château, pour qu'après, on fasse un bon gros épisode final comme il faut. C'est-à-dire, voilà. Voilà, donc je vais m'arrêter ici pour... finir les fantacules la prochaine fois et arriver au château. Donc comme ça, ça fera à peu près 16 épisodes, si je ne me suis pas trompé d'épisode, dans celui-là bien sûr. Voilà, on va s'arrêter sur ce plan magnifique qui fait apocalyptique. Enfin bref. Donc, même si c'est pas passé grand-chose, j'espère que cet épisode vous a plu. Laissez des j'aime, des j'aime pas, des commentaires, abonnez-vous si vous voulez. Et moi je vous dis à la prochaine pour l'épisode 15 de Epic Mickey. Normalement, l'avant-dernier épisode. Bon allez, je vous rassure, je vous le dis tout de suite, les prochains épisodes arriveront assez vite. Normalement, cette vidéo, je la poste ce week-end, normalement vous regardez cette vidéo le week-end, mais les autres arriveront très vite, je vous le promets. Là, je vous jure. Allez, salut, et à la prochaine. Non seulement j'ai cru que la caméra avait bougé. Allez, salut.